Salut à tous les potes, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour parler du mercato de l'OM, quelques petites infos, même si c'est pas très animé en ce moment. Alors si le concept vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner et à mettre un petit pouce bleu, ça nous encourage à faire encore plus de contenu. Petite question pour vous avant de commencer, est-ce que ça vous dérangerait que l'OM vende Luis Gustavo? Et si oui, expliquez-nous pourquoi dans les commentaires, et sinon également aussi. Un nouveau mouvement officiel côté marseillais, vous êtes sans doute au courant depuis quelques jours déjà. Mais j'avais pas trop de choses à raconter sur le mercato de l'OM, donc j'ai préféré attendre un petit peu. L'OM a réussi à vendre Clinton Gieye pour la somme de 6 millions d'euros, avec un pourcentage à la revente de 20% au club russe du Dynamo Moscou. Le joueur quitte donc l'OM après son fameux prêt avorté au Sporting la saison dernière. Pour Benedetto, on s'approche de la fin du feuilleton, encore une fois. Le président de Boca Juniors a déclaré dans les médias que le transfert ne se ferait pas avant le 1er août, précisant qu'ils vont devoir remplacer Benedetto et que ce n'est pas simple. On parlait de Gignac pour le remplacer. En tout cas, le 9 de Benedetto a été donné à un autre joueur du club. Et selon le très sérieux OM United sur Twitter, l'indemnité serait de 12 millions avec 3 en bonus. Il devrait se rendre à Marseille dans les prochains jours pour faire sa visite médicale et signer son contrat donc après le 1er août. Le transfert, même retardé, va être confirmé très prochainement, ça ne fait plus grand doute. Pour la signature d'Isaac Liadji, on attend une issue positive dont je ne doute pas vraiment. Les agents du joueur discutent avec Zubizarreta. Selon la Provence, les positions sont quand même éloignées entre les prétentions du joueur et l'offre de Marseille. Le clan du joueur souhaiterait que l'OM augmente sa position financière, avec notamment un salaire peut-être multiplié par 3, j'ai entendu dire. La position de Liadji serait de vouloir une grosse offre qui lui permettrait de s'assurer que le club va le faire jouer et que c'est pas un jeune comme un autre évidemment. Pour Gustavo, qu'on annonçait comme un candidat sérieux au départ cet été, le journaliste Hamza Oğlu, connu pour être bien renseigné sur le Fenerbahçe, annonce un intérêt du club turc pour le Brésilien. Le club serait même disposé à mettre 5 ou 6 millions pour un transfert, mais l'OM en demanderait 10. L'agent de Gustavo a calmé la rumeur directement, ajoutant que Gustavo se sentait bien à Marseille et que le fait que les joueurs de l'OM soient tous à vendre ne change rien pour eux. Du côté du poste de latéral gauche, l'OM se serait vu proposer le péruvien Miguel Trauco, qui a fait une très bonne Copa América avec le Pérou. Cette position daterait de plusieurs semaines et Zubizarreta n'a pas donné suite. C'est un joueur que personnellement moi je trouve très bon, ça aurait pu être une bonne idée, on se serait pas trop ruiné financièrement. Du côté de Ribéry, on annonçait une approche de l'AS Monaco, approche refusée justement par l'ancien Marseillais qui ne se voit pas jouer en France ailleurs qu'à l'OM. On parlait d'un intérêt de la Juventus et de Liverpool pour le français, ce qui serait bien sûr un choix qu'il ferait sans doute en priorité, sachant qu'il en a encore sous la semelle et que le projet sportif va primer dans son choix. Selon la Provence, le dossier Ribéry n'est pas dans les plans des dirigeants marseillais en tout cas. Pour Thauvin, on parlait d'un intérêt de Valence plutôt poussé, ça a fait du bruit ces derniers temps. Petit problème qui est intervenu, le directeur sportif Matteo Almani devrait démissionner car il ne s'entend plus avec son président, quelques désaccords entre les deux. Et le changement de directeur sportif devrait empêcher Thauvin de rejoindre les Espagnols car c'était un choix d'Almani justement. Pour Camara, la prolongation devrait intervenir. Le joueur a indiqué en zone mixte après le match contre DC United qu'il était serein pour sa prolongation. Que ses agents discutaient avec Anthony Zubizarreta. À mon sens, ça va se faire, il y a juste quelques détails à régler, mais je pense que ça va venir très très rapidement. En tout cas, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo, un petit peu courte, mais je vous présente un petit peu l'essentiel de ce qui se dit en ce moment. J'espère que ça vous a plu, si c'est le cas, dites-le moi dans les commentaires, et on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Ciao les potes!